Alors qui va là, je te prie. Eh, j'ai acheté des gants en doigts coupés, ils sont magnifiques. Je sais pas si tu les vois. Ça s'appelle des mitaines. Des mitaines. Des gants de coupés. Non, c'est des gants de MMA. Si tu racontes, c'est pas des mitaines, c'est des gants de MMA. Oui, ça s'appelle des mitaines. Quand les gants ont les doigts coupés, ça s'appelle des mitaines. Ça s'appelle pas des gants doigts coupés. Si, c'est des gants de boxe. C'est des gants de boxe. D'accord, mais ça s'appelle quand même des mitaines. Quand on coupe les doigts des gants, on appelle ça des mitaines. De boxe, par exemple. C'est des mitaines de boxe. On dit les gants doivent couper, c'est vrai? Oh là là. Bon, peut-être que. Regarde, on dit dans ton club. Attends. Peut-être que c'est pour les gens qui pratiquent ce sport, qui sont pas des littéraires, les mitaines, ils arrivent pas à retenir, donc ils ont appelé ça des gants doivent couper. C'est plus long pourtant. Et le plâtre, ils appellent ça une protection jambes cassées. Maurice Radio Libre, la radio carrément rock, la radio carrément libre. Maurice Radio Libre, c'est bizarre.